Et salut à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super super bien, à part que je viens d'enregistrer mon combat et que j'ai oublié de capturer le son. Donc j'ai déjà fait le combat et j'ai parlé pendant une vingtaine de minutes pour rien. Comme c'était un assez beau combat, je me suis dit bah, je vais vous le recommander par au-dessus. Parce que ben j'ai une ou deux questions à vous poser, donc je me suis dit bah, que tant que le gameplay était là, bah, comme ça vous pouvez pardon, je vais y arriver, vous pouvez l'admirer, tandis que vous pouvez écouter. Par contre, j'ai retrouvé des musiques de Dofus 1.29 qui passent en fond, donc je vais essayer qu'on les entende assez bien, mais qu'on entende quand même bien ma voix. Ça va peut-être faire beaucoup de souvenirs à certains, parce que moi franchement quand je suis retombé dessus, j'avais limite les larmes aux yeux tellement que ça faisait longtemps que j'avais plus entendu ça, tellement que c'était magnifique. Donc voilà. Alors qu'est-ce que je devais vous demander? Ben en fait, je vais vous expliquer un truc. Il y a, je sais pas moi, 2-3 mois, il y a Google qui m'avait proposé de monétiser mes vidéos avec un programme qui s'appelle AdSense. C'était en fait ce qui mettait des pubs en fait au début des vidéos qu'il fallait passer, et il y en avait aussi à droite des vidéos. Mais apparemment il y a des petits malins qui sont amusés à cliquer comme des barbares sur les pubs tout le temps. Donc en fait il y a mon compte qui s'est pris un avertissement, on va dire, pour dire que ben il y avait trop de clics frauduleux, je sais pas qu'ils appelaient ça, enfin c'était bizarre. Suite à ça, en fait, ils m'ont envoyé un code par email pour dire que c'était pas moi. Et je l'ai reçu en fait par la poste, bizarrement. Et j'avais un délai de 3 jours pour mettre le code. Et je l'ai reçu après de rentrer des vacances. Donc ça c'est pour l'histoire. Donc maintenant, mon compte a été banni, on va dire, de AdSense. Donc je ne peux plus faire partie de ça. Mais le souci, c'est que j'avais un contrat qui allait être signé juste avant que je parte en vacances avec TGN, qui est une très grosse société qui fait de la pub sur YouTube et tout ça, et qui me proposait de devenir partenaire. Parce que ma chaîne avait atteint les plus de 750 vues par jour, plus ou moins. Donc voilà, ça c'est un petit peu encore une fois pour l'histoire. Donc maintenant, le truc, c'est que il y a aussi quelques mois, j'avais eu un souci à cause des copyrights sur ma chaîne, et les vidéos de plus de 15 minutes avaient été désactivées, donc j'avais été obligé de refaire une chaîne que j'avais appelée Capitaine Flamme tout simplement, et pas Capitaine Flamme TV. Donc je me suis dit que quand le blâme a été retiré, j'ai pu refaire cette chaîne-là. Donc j'avais tout re-upload ce que j'avais mis de l'autre côté. Mais maintenant que en fait j'aimerais bien passer partenaire, pour pouvoir surtout vous proposer des vidéos de meilleure qualité. C'est pas du tout pour l'argent, si c'est pour ça que vous pensez, c'est vraiment pas pour ça, parce que c'est vraiment pas avec 10 cents par jour, même pas, qu'on gagne, que je vais faire fortune. C'est pas du tout pour ça. C'est pour avoir accès au live sur YouTube et tout ça de meilleure qualité, pouvoir mettre des miniatures sur les vidéos et tout ça, être mieux référencié, pour avoir un plus grand public et un public plus large. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien passer. Donc je voulais vous demander après ça que si ça vous intéressait que en fait je transfère mes vidéos d'ici sur l'autre chaîne, donc la Capitaine Flamme tout court. Enfin les dernières vidéos, je dirais, je prendrais genre les vidéos du Ghoul Terminator et mes Coliseum quotidien, et que j'allais de l'autre côté, sur l'autre chaîne. Pour pouvoir cette fois-ci, dans, je sais pas moi, dans 2-3 mois, quand les abonnés seront transférés, on va dire que les vues sont arrivées à plus ou moins 750 par jour, ça me permettrait peut-être d'être partenaire, parce que en fait, pour pouvoir être partenaire, il faut pas avoir eu de blâme à des scènes et tout ça. Donc comme tout le monde, on vous propose de monétiser votre vidéo, vous foncez dessus directement, et je me suis fait avoir par ce truc-là. Donc voilà, maintenant, c'est un petit souci. Et moi, je voulais juste vous demander si ça vous intéressait ou pas, ou si vraiment vous en foutez que je passe partenaire, ou si... Enfin, moi, c'est pas pour moi, c'est surtout pour ça que je vous pose la question, c'est pour le fait de dire, voilà, je suis partenaire, c'est génial. Et puis voilà quoi. Donc si ça vous dérange
que je fasse ça, bah, mettez-le dans les commentaires, ou si ça vous dérange pas du tout d'aller vous abonner sur l'autre chaîne. Et je garderai peut-être cette chaîne-ci juste pour peut-être pour mon Minecraft, comme ça pour l'année prochaine pour le Ghoul Terminator, comme j'aurai mes vidéos d'office sur cette chaîne-ci, ça me permettrait d'avoir accès directement au Ghoul Terminator en tant que fan site officiel. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je sais pas si le gameplay vous plaît. Là, il y a un fan qui m'a dit, qui m'a contacté, qui s'est fait un personnage qu'il a appelé CapiTV pour me poser une question. Donc je vais juste faire une petite dédicace à lui. Là, le petit EC au couteau à champignon pour finir le crack est un peu foiré. Et voilà, je remets le crack dans le mur de monde. Et l'Osamodas va soigner le crack, et le crack va le terminer avec... avec une flèche de dispersion plus une enflammée. Donc moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à poster un commentaire pour répondre à ma question. Et peut-être un petit pouce vert en dessous de la vidéo, ce serait pas mal. Et j'espère que vous avez apprécié cette petite musique de l'impro Vatoche. Moi je vous dis à très bientôt, salut à tous.